Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme c'est marqué sur le titre, aujourd'hui ça va être un haul, un big haul solde. Nous sommes le mercredi, premier jour des soldes. J'ai été dans plusieurs magasins différents, comme vous allez voir. Je me suis lâchée comme d'habitude pour ceux qui me connaissent. Vous savez très bien que quand je fais les soldes, quand je fais en général des hauls, je me lâche, je fais pas semblant. Voilà. Et là c'est le cas. Allez, let's go. Stop! On s'arrête juste 2 secondes. J'ai bronzé ou j'ai pas bronzé là? J'ai bronzé ou j'ai pas bronzé? Je suis trop contente, j'aime trop avoir le teint bien bronzé. Et là, vous voyez, quand on a bronzé comme ça, même pas besoin de mettre plein de maquillage, machin, pas besoin de tout ça. Juste par exemple, comme j'ai fait là, y a pas de fond de teint, pas de poudre, rien. Le rouge à lèvres, j'ai mis un petit peu ici au niveau des joues et là pour faire un effet plus bonne mine. Mais c'est tout, pas de fond de teint, pas de poudre, pas d'anti-cerne, là y a rien. Juste ça, et je peux vous dire que... Et pour ceux qui veulent commencer à vouloir parler là, stop, stop, je vous arrête tout de suite. Il n'y a pas de fond de teint, il n'y a pas de je sais pas quoi. Là, c'est juste mon gloss, mon rouge à lèvres que j'ai mis un petit peu ici. Il n'y a pas de fond de teint, il n'y a rien. Là, regardez le teint. Regardez. Mais ça, c'est le teint que j'aimerais avoir toute l'année. Mais juste, ça va pas durer 1000 ans. Mais bon, bref. Trop bien. Rien à rajouter. Bon bref, on va commencer peut-être à un moment donné parce que là... Alors là, je vais commencer par... C'était où ça déjà? C'était... Je sais pas. Non, c'était chez Gémeaux. Alors chez Gémeaux, j'ai acheté une paire de chaussures comme ça, Puma. Est à moins 70 au lieu de 44,99, on va dire 45 euros. J'ai pris cela. Je trouvais que pour cet été... Elles étaient trop mignonnes, j'aimais trop la couleur. Voilà. Voilà. Elles sont trop mignonnes. Très simple, mais c'est vraiment la couleur qui a fait que... Mais vous allez savoir aussi pourquoi. Donc j'ai pris ça. Et je vais aller vite parce qu'il y a pas mal de choses. Comme je vous ai dit, hein, il y aura pas mal de choses dans ce haul. Donc vous pouvez préparer dès maintenant des popcorn, café, thé, tout ce que vous voulez. Parce que là, ça va être long. Vraiment long. C'est vraiment un big haul que j'ai fait là. J'ai pas blagué. Honnêtement, j'ai pas blagué. Là, j'ai tout pété. J'ai tout pété. Ensuite, toujours chez Gémeaux, j'ai pris pareil que moi, les mêmes chaussures. Moins 70 à 39,99. En fait, j'avais vu ces chaussures-là avant. Elles étaient pareil, les mêmes couleurs. Elles seront grandes parce qu'en ce moment, ma fille porte entre le 28 et le 29. Mais j'ai pris du 30 et je pense que d'ici cet hiver, ce sera bon. Et quand j'ai vu ceux-là, c'est les mêmes que celles que j'ai pris pour moi. J'avais pris ça avant pour ma fille. Et quand j'ai vu qu'il y en avait en 37 pour moi, donc j'ai pris, moi je suis entre le 37, 37,5, voire 38. Et ceux-là, par contre, ils sont super grands. Par exemple, même le 30, pour ma fille, c'est super grand. Donc ça se peut que, je sais pas si cet hiver pour aller porter, sera peut-être toujours grand. Mais à moins 70, j'ai dit, bah, elle les portera bien à un moment donné. Hein. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, c'était à moins 70 chaque paire. Donc celui-là, ça m'est revenu à 11 euros et quelques. Et puis les miennes sont revenues à 13 euros. Donc pour des pumas, 13 euros. Pour des pumas adultes. C'est trop... Déjà, les pumas, là, ça ne coûte pas très cher. Mais à moins 70, vas-y. On va pas faire des manières, hein, on va les prendre. Il y avait d'autres paires. Ensuite, j'ai pris une paire pour mon fils. Il est comme ça. Des Adidas. Ils trouvaient trop jolies. Et elles étaient à pareil, moins 70. J'ai pris taille 25 au lieu de 40 euros, ça m'est revenu. Ben, je crois que c'est pareil, c'était à 11 euros et quelques. Et ceux-là, j'ai pris exactement les mêmes pour mon autre fils, le plus grand, en taille 27, mais il les a portés aujourd'hui, il est avec à l'école. Mais c'est exactement les mêmes que j'ai pris, la même couleur, mais en taille 27. Ensuite, j'étais partie chez Zeeman. J'ai trouvé des pyjamas à pas cher. Là, ils étaient à 3 euros au lieu de 5,99. Donc, ils étaient à moins 50. Et là, comme vous voyez, c'est marqué 1 an et demi à 2 ans. Mais sauf que moi, je regarde pas au niveau de l'âge. Je regarde plutôt au niveau de la taille. Si ça aurait été plus au niveau des centimètres, ça aurait été beaucoup trop grand.
Mais j'en suis sûre que le pantalon, ça va le faire. Parce que c'est... Ça taille assez grand, je trouve. Regardez. Là, par exemple, ils disent pour 1 an et demi, c'est trop grand. Même pour mon fils, là, par exemple, celui qui va avoir 3 ans, là, la taille, c'est bon. C'est marqué 1 an et demi, 2 ans. Parce que là, il faut vraiment qu'il soit grand. Mais là, du coup, mon fils, pour 3 ans, la taille, ça va être nickel. Parce que moi, c'est vraiment pour porter en ce moment, en fait. Là, où il est comme ça. Des dinosaures. Voilà. Et c'est bien parce qu'il est... il est pas trop chaud, pas trop froid non plus. Donc, je trouve ça pas mal quand on va partir en vacances. S'il fait un peu frais. Il pourra encore les porter mois de septembre, novembre. Pour encore les porter. Toujours chez Zima, j'ai pris un pyjama comme ça pour ma fille. Voilà. Tout simple, avec des étoiles. C'est du 4-6 ans. 3 heures. Toujours chez Zima, j'ai pris du 4-6 ans. Un pyjama comme ça, comme vous voyez sur la photo. Voilà. 3 euros toujours. Et j'ai pris un pour mon autre fils. Du 4-6 ans. Comme ça. Pour cet été enfin. J'ai pris pour ma fille un petit sac comme ça. Je trouve trop mignonne. C'est tout petit. Voilà. Comme ça. Pour mettre un peu ses pièces. Je trouve trop chou. Qu'elle a bien aimé un moment de pastèque comme ça. Et c'était 1 euro. J'ai pris un désodorisant textile. Je trouvais qu'ils sont super. Ils sont le frais en fait. Ils sont super bons. Voilà. Pour moi, c'est plutôt pour mettre sur le canapé, dans les rideaux, etc. J'aime bien mettre des trucs comme ça. Et là, il est à 50 centimes. Ensuite, il est à 25 centimes. Donc j'en ai pris. Et c'était le dernier qu'il y avait, sinon j'aurais pris plusieurs, parce que franchement, ils sont super bons. Ensuite, j'ai... Oh non, ça a coulé. Ça a coulé ou pas ici? Non, ça va encore. Voilà, j'ai pris un gel lavant pour les mains comme ça. Je pensais qu'il faisait un effet hydratant aussi, mais non. Palme olive. Il est à 1 euro. J'ai pris pour mes fils sac comme ça. 1 euro aussi. Par contre, c'est pas indiqué dessus le. Il l'a enlevé ou quoi? Bref, c'est pas marqué dessus, mais au lieu de 5 euros, ils étaient à 1 euro chaque. Je vous prie deux pour mes fils. Ensuite, attends, je vais laver les mains là, parce que là, c'est plus possible. Ensuite, toujours chez Ziman, j'ai pris des culottes comme ça pour mes fils. Parce que le dernier commence à être propre. Donc, je voulais faire un peu le stock. Ok, player. Noir, tout simple. Et on a celui-là. Je sais que celui-là, il va beaucoup aimer. Avec des ballons comme ça. J'ai pris aussi un autre comme ça. Voilà. Étoile. Voilà. Le truc simple. Hein. C'est à 1,50€ chaque. J'ai pris. J'aimais bien celui-là. Ah si! Ça coulait un petit peu le savon, bon, c'est pas grave, ça se lave. C'était à 2 euros. Ils sont super bons ce savon. Même ça coulait un petit peu là, mais bon, de toute façon, avant de les porter, ça va être lavé, mais ça sent super bon. J'aimais bien celui-là. Avec vélo, skate et puis trottinette. Et l'autre, il est comme ça. Donc les deux t-shirts là. Et la taille, j'ai pris du 4-6 ans. Ensuite, j'ai pris un petit haut que j'ai trouvé trop mimi. Et comme ça. Tout rose avec des pommes. Je trouvais ça trop mignon. Et il était à 2 euros au lieu de 3,99€. Chez Zimac, vous pouvez aller les yeux fermés. En général, toute l'année, je trouve que déjà, c'est un magasin vraiment pas cher pour trouver des petits trucs pour vos enfants. Quand les enfants grandissent super vite, je trouve que ça sert à rien de mettre des trucs trop chers. À part quand vous faites des bonnes affaires. Par exemple, vous pouvez acheter des fois des trucs de marque. Et quand c'est en promotion, moi je trouve en tout cas. Et là chez Zimane,
toute l'année, je trouve que, après c'est pas de la marque, hein, mais je trouve que toute l'année, dans leur globalité, niveau prix, c'est pas cher. Mais là, pendant les soldes, franchement, vous pouvez faire vraiment des bonnes, très bonnes affaires. J'ai pris un haut comme ça. Tout simple, mais vraiment tout simple. Comme ça. Ce que j'aimais bien surtout, c'est parce qu'en fait, il était fourni avec un petit sac. Et par contre, le sac, j'aimais beaucoup. J'ai trouvé trop joli. Et ça s'ouvre comme ça. Voilà. Donc, c'était le sac avec le haut. Ça le fera un haut de plus. Et il était à 2,50€. Voilà. Juste, ça m'a fait super plaisir de voir ce petit sac comme ça. J'ai pris une petite jupe comme ça, mais franchement, j'étais surprise du prix. Elle est trop jolie. Est-ce qu'on voit là? J'ai l'impression qu'on ne voit pas. Il y a plein de foufou ici, là, à ce niveau-là. Et là, il y a un nœud. Un genre de nœud comme ça. Voilà, là, vous verrez peut-être mieux. Il était à 1€. J'ai trouvé super joli. Ensuite, j'ai pris une robe comme ça. J'aimais trop la couleur. J'aimais bien aussi le devant, comment ça fait. Voilà, elle est trop jolie. Vraiment jolie. Il était à combien? 7€, 6,99€. Et là, il est à 3€. Donc, je trouve vraiment joli. Et j'ai pris du taille 6 ans. J'ai pris une paire de chaussettes comme ça. Et il était à 1€. Pour mon fils, pyjama qui était à 2€. De 2 à 4 ans. Ensuite, toujours chez Iman, j'ai pris des draps comme ça en jersey. Il était à 2,50 au lieu de 4,99. Ça, c'est pour les lits de la chambre de mes enfants. Ça, c'est pour mon fils. Et j'ai pris exactement la même chose pour ma fille. Comme vous savez, ils ont des grands lits adultes. Ensuite, j'étais chez Kiabi. À Kiabi, moi, comme je vous ai dit, premier jour de solde, il faut y aller. Parce que le premier jour du solde, vous avez en plus 10% supplémentaire. Et je trouve que c'est pas négligeable. J'ai pris un pull comme ça pour ma fille. Voilà. Pareil, j'ai pris du 8 ans. Oui, je sais. Là, j'ai pris pareil, volontairement plus grand. Voilà. Il était à 13 et il était à moins 70. Pas plus de ticket là. Bref, il n'y a plus le ticket de moins 70. Mais il est en tout cas à moins 70 au lieu de 13€, pardon, il est à moins 70. J'ai pris du 8 ans, pourquoi? Parce que ce genre de pull très épais comme ça, moi j'aime bien quand ça arrive, quand on met sur mes enfants, en tout cas sur ma fille, ça soit un peu grand, pas que ça soit vraiment trop juste, que ça soit un peu grand, ça donne un style et j'aime beaucoup. J'ai pris un pantalon comme ça, moins 70, il était... Ah, il était pas cher. Le prix de base est à 8€, moins 70. J'aimais trop la couleur. C'est super joli. J'aimais trop la couleur. Même la forme et tout. Un skinny comme ça, je trouve ça très joli. Moins 70. J'aime. Ensuite, toujours chez Kiabi, j'ai pris pour ma fille une robe comme ça. Mais là, c'est vraiment... Vous verrez que de la plupart des affaires que j'ai prises, c'est des trucs d'hiver. Moi, je profite l'été pour acheter toutes mes affaires d'hiver. Et les soldes d'hiver, je profite pour acheter toutes mes affaires d'été. Vous voyez un petit peu? Parce que ce qui est hivernal, c'est ce qui est vraiment à moins 70. Et c'est là que j'essaie de faire le plan pour l'hiver. Donc là, pareil, la robe était à moins 70. Tac. Et j'ai pris du taille 6 ans. La robe était à 12€. Et là, je sais que la taille pour cet hiver, ça va le faire, ça va être bon. J'ai pris la même en cette couleur, que j'aime beaucoup aussi. La même taille, c'est juste la couleur qui change. J'ai pris un pull, là, c'est pour moi. J'ai pris taille M. Taille M est à 15€, c'est à moins 70. J'aimais trop. Donald, j'ai amiqué aussi, enfin, voilà quoi. J'ai trouvé trop chou. Blanc comme ça. J'ai pas essayé, j'ai pris, j'ai dit allez hop. De toute façon, moi j'essaye pas. Ça m'arrive des fois d'essayer, par exemple H&M, j'avais essayé, des trucs j'avais essayé. Quand je vois la queue, par contre, je vais dans un magasin, je vois la queue, ça me décourage direct. J'ai pas la force de faire la queue et d'essayer. J'achète et puis si ça va pas, je ramène. Mais quand il n'y a pas la queue, j'essaye, mais quand il y a vraiment la queue,
Next. Allez, hop. J'ai pris pour mon mari un pantalon comme ça, skinny. Voilà, ce qu'il aime le plus. En gris, comme ça, il a essayé la taille, c'est nickel. À moins 70. Il était à 17 euros, du coup, moins 70. C'est derrière. Il est comme ça. J'ai pris pour mon fils. Pour mes fils, parce que j'ai acheté deux comme ça. J'ai pris une chemise comme ça que j'aimais beaucoup. Il était à moins 70. Et à 10 euros. Donc 10 euros moins 70. Et comme ça. Très joli. Donc j'ai pris exactement les mêmes. Voilà. Là, ils vont porter tous les deux. Et bien des fois, comme ils n'ont pas beaucoup de différence d'âge, ils vont les habiller pareil comme un. Les jumeaux, je trouve ça trop mignon. Ensuite, j'ai pris ça pour mon fils. Tout ça joli. Voilà. 3 ans. Au bout du 3 ans, il est à 8 euros. Moins 70. Et pour mon autre fils, j'ai pas trouvé exactement le même, parce que je voulais exactement la même chose. J'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé un autre style. Celui-là. Donc j'ai pris celui-là. Ça reste toujours dans le sport. 8 euros pareil. Et moi 70. La couleur aussi est très jolie. On verrait. Hein. Qui habille, je me suis mais lâché, mais vraiment lâché. J'ai pris un pantalon comme ça. 4 ans. Pour mon grand garçon. Il est à moins 70. C'est 14 euros du coup, moins 70. J'aime bien la couleur. Du coup, comme ça, parce que là, c'est pour lui. Pour aller avec ça. Voilà, pour mes filles, j'ai pris ça. C'était à moins 70. Pareil, 14, moins 70. Et comme ça, avec une capuche. Comme ça, donc j'en ai pris deux, pareil. Pour tous les deux. Il y en a un qui est 5 ans. Il y en a un 5 ans et l'autre 4 ans. Non, c'est pas 5 ans, c'est du 6 ans. C'est du 6 ans, pardon. Un 6 ans. Il y en a un 6 ans et l'autre 4 ans. J'ai pris plus grand parce que voilà, comme je l'ai dit, l'hiver, avec tous les couches qu'on met, déjà on met en dessous, un sous-pull plus ou un col roulé. Et puis ça par-dessus, j'aime pas quand c'est trop serré, donc je compte un petit peu plus grand. Là, pareil, c'est volontaire. J'ai pris des chaussettes comme ça pour mon fils, parce qu'ils sont très très épais. Ceux-là, par rapport aux chaussettes, des fois que je peux trouver des... Par exemple, c'est pas les mêmes... Par exemple, là, j'ai pris des chaussettes, parce qu'ils sont bien déjà celles de Kiabi, les chaussettes. Donc j'ai pris des chaussettes comme ça, à moins 70 pour mes fils. J'en ai pris deux comme ça. Là, il y en a 5. Il est assez épais, hein. Il est déjà très épais. Mais là, chez les images, j'ai trouvé d'autres comme ça. 1,50€, il y en a 3 et ils sont très épais. Plus épais que celle de chez Ikea. J'ai pris un pantalon cargo comme ça. Je l'ai trouvé juste trop stylé. Trop, trop stylé avec des poches comme ça. Là. Enfin, j'aime trop. Il était à 14€. Il était à moins 70. Donc pareil, j'ai pris deux. Donc voilà, j'en ai pris un autre comme ça pour mon autre fils. Donc pour les deux garçons, j'en ai pris deux. J'aime trop, ils sont trop stylés. Ça, je les vois bien avec des chaussures montantes, un peu militaires là. Ça peut faire un bon style. J'ai pris un haut comme ça aussi, qui était à moins 70. C'est à 7 euros, moins 70. Très joli avec la petite pochette là. Est-ce que ça s'ouvre vraiment? Oh, c'est trop bien, ça s'ouvre vraiment, en fait, c'est une pochette. Regardez, ça s'ouvre, c'est trop bien. Je mets des petits trucs dedans. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais ramasser des cailloux dedans, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je trouve ça très joli, c'est marqué OK Bunk. J'ai pas trouvé, par contre, beaucoup de cols roulés. Mais ce que je trouvais, je prenais. J'ai pris
Les cols roulés comme ça, il est à 5 euros, moins 70. La couleur est comme ça, j'aimais beaucoup. Parce que là, vraiment, ça va avec le pantalon vert que je vous ai montré tout à l'heure. Celui-là. Donc, je me suis dit pour cet hiver, quand il mettra ça avec. Vous voyez, la couleur. Même si, par exemple, il met ça et il met un gilet par-dessus d'une couleur, par exemple, marron, peu importe. Avec ça, ça fera bien avec ça en dessous. Et j'ai pris exactement la même chose pour mon autre fils. Donc, les deux, pareil. En plus, mon dernier des fils, il va faire sa rentrée en septembre. Et il va être dans la même classe que mon deuxième. Vous allez dire, ils vont souvent s'habiller pareil. Dans la même classe et tout, trop mignon, quoi. C'est trop chaud. Toujours chez Kiabi, j'ai pris un haut comme ça. Il est super épais. Trop pas cher. Il était à la base 7 euros. Donc, déjà, 7 euros, je trouve ça vraiment pas cher. Un style de polo comme ça, la manche longue. Je trouve ça super joli. En gris comme ça. J'ai pris taille 5 ans et il était. Ah, ils n'ont pas mis. Il était à moins 70. Je vous le dis, il était à moins 70. Ils n'ont pas mis là. J'ai pris un comme ça. Bah, en fait, j'ai pris deux, hein, les mêmes. Il est là. Moins 70. Et c'est à 7 euros. Du coup, ça lui est revenu combien ça? Vraiment pas cher. Ça veut dire à 2 euros quoi. Ensuite, j'ai pris des chaussures pour ma fille. Comme ça. Il faudrait que je trouve des chaussures comme ça pour mes fils. Plus de batterie. Il faudrait que je trouve des chaussures ces styles un petit peu pour mes fils. Vous savez, pour aller avec les cargos. Là. Ça serait trop joli. Donc, j'ai trouvé en tout cas pour ma fille des comme ça. La couleur, je me trouve là, c'est le beige comme ça. Avec un petit cœur. C'est marqué devant ici avec des petites perles un peu comme ça. Love. Et j'ai pris taille 30. Et elles étaient à moins 50. Et le prix, c'était 18 euros. Donc 18 euros moins 50. Donc ça revenait à 9 euros. Ensuite, j'ai pris. Ah, mais je vous ai dit, c'est vraiment pour l'hiver là. Là, je prépare mes enfants pour cet hiver. 13 euros moins 70. J'aimais trop, je trouve ça trop trop joli. Il est super épais. J'aimais bien les boutons là. Avec les détails autour du bouton. Je sais pas si on voit. Il est doré. Trop joli. C'est dommage que je ne pouvais pas toucher. Il est super épais. Super épais. J'ai pris un petit peu comme l'autre style que je vous ai montré juste avant. Du haut avec. Vous voyez, avec ça que vous pouvez ouvrir. J'ai pris comme ça. Pareil, le même style pour mon autre fils, comme ça ils ont entre guillemets la même chose mais pas la même couleur. Et il était pareil à moins 70 et le prix c'était 7 euros également. J'ai pris un pantalon comme ça à moins 70. Dommage, c'était le seul que j'ai trouvé, enfin c'était le dernier, c'était le seul que j'ai trouvé en tout cas dans mon Kiabi. Il n'avait pas d'autre, j'aurais pris pour mon autre fils, mais bon, c'est pas grave, j'ai pris celui-là. Pour moi, j'ai pris, ça j'aimais trop, un pyjama, un bas de pyjama comme ça avec des poches. J'aimais trop même la matière, c'est pareil, c'est une matière tellement légère. Mais là vraiment c'est très fluide, très légère pour cet été. J'ai pris ça avec, attendez le prix déjà de ça, le pantalon. Et le pantalon était à 10 euros, j'ai pris taille L. Et à moins 50 du brûlé pour 5 euros. Ensuite, j'ai pris. Mais par contre, il est. Le truc, c'est qu'il est super grand, par contre, au niveau du ventre. Enfin, le bas, si c'est large, ça ne me dérange pas. Mais à ce niveau-là, c'est beaucoup, beaucoup trop large. Parce qu'il y avait, soit du XS ou du S. Normalement, c'est M. Mais je ne voulais pas non plus que ça me serre, quoi. Je préfère limite que ça soit large. Tout ce qui est pyjama, tout ça, j'aime être à l'aise. Je préfère limite que ça soit large que ça me serre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir resserrer un tout petit peu dans les côtés et puis ce sera bon. Ensuite, j'ai pris un petit chemisier de nuit comme ça. Ça, c'est pareil, j'aimais trop la matière. J'essaie de vous le montrer bien comme il faut là. Voilà. C'est un style comme ça, manche longue. La matière super jolie, enfin ça fait ça. Ah là, peut-être ouvrir mieux.
Voilà, je trouvais que quand je mettais côte à côte, ça allait bien dans ça. Donc je l'ai pris à 12 euros moins 70. Donc ça m'est revenu à 3 euros et quelques. Ensuite, toujours chez Kiabi, j'ai pris des collants comme ça pour cet hiver pour ma fille à 9 euros moins 70. Une petite fleur comme ça et la tour rose, un rose nude un peu. C'est super joli. Je l'ai pris aussi pour ma fille, toujours chez Kiabi, à moins 70. 12 euros, un pull comme ça, des petites poches avec des froufrous, c'est trop chou. Et ensuite avec une capuche là. Donc 12 euros moins 70. Un genre de suite, un gilet un peu suite comme ça. Pareil avec des froufrous, sauf que là c'est en bas les froufrous. Et là c'est ultra moutonné là. Là pour cet hiver, elle va être bien au chaud. Il était à 10 euros moins 70. Ensuite, j'ai pris pour mon fils un sweat comme ça, pareil, à l'intérieur, moultonné, à 10 euros. Et il était à moins 70 également. Très joli. Avec Mickey, Donald, enfin, tout le tralala, quoi. J'ai pris un pyjama pour ma fille qui était à moins 70. Mais c'est un pyjama d'hiver. C'est un pyjama hivernal. L'intérieur, c'est moultonné comme ça. Le bas, il est en mode comme ça, les gays. Ensuite, toujours chez Kiabi, j'ai pris un sweat comme ça. Couleur moutarde. Toujours moultonné. J'ai pris taille 50. T'as 6 euros. Moins 70. Donc, rien du tout. Voilà, avec un petit cœur là. Trop joli. J'ai pris un col roulé. Comme ça. Pour mon fils. 5 euros. Et pareil, le ticket, il s'est barré. Mais c'était à moins 70. Ne vous inquiétez pas, on arrive vers la fin pour Kiabi. Parce qu'on dirait que je vais jamais finir. Mais ne vous inquiétez pas, je vais bientôt finir. Là, j'ai pris pour mon fils cette couleur-là. Taille 4 ans, un sweat à capuche. Comme ça, ultra épais. Il était à 12 euros moins 70. Voilà, il est ultra doux. Il est comme ça devant. Je crois. Ah non, c'est pas fini. Bisous fini, ne vous inquiétez pas, c'est bisous fini. J'ai pris pour moi un pull col roulé comme ça. Parce que j'en ai un, mais je crois que c'est le seul que je faisais que de squatter l'hiver en col roulé. Taille S, j'ai pris. T'as moins 70. Et il était à, je crois, 10 euros moins 70. Il n'y a plus les tickets. Mais je crois que c'était 10 euros moins 70. Donc voilà, je pense que pour Kiabi, c'est fini. Et Noz, je me suis pris une blouse comme ça. Je l'ai trouvée jolie, simple, mais très très jolie. Les manches comme ça. Voilà, j'aimais trop les couleurs. Elle était à 14,99 également. Je trouvais très jolie. Je l'avais eu à 7,50 euros, je crois, c'était. 7,50 euros, oui. Je l'avais eu. Il était à moins 50. Toujours de chez Noz, j'ai pris des comprimés détox comme ça. En ce moment, j'ai envie de prendre des trucs pour un peu plus m'entretenir, tu vois. Pour mon corps, en tout cas, pour nettoyer, etc. Donc là, j'ai pris un comprimé comme ça, détox. Testé, il était pas cher, donc j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris comprimé pour m'aider niveau graisse, sucre, calories pour éliminer un petit peu. Si ça peut m'aider à maigrir, ça sera encore mieux. Je sais que moi, tout ce qui est régime, tout ça, c'est pas du tout pour moi. J'aime les cochonneries, j'aime manger ce qui est gras, j'aime manger les bonbons, les chips, le sucre. Bref, toutes ces choses-là, j'aime trop. Et je vais pas m'arrêter, c'est comme ça. Le régime, c'est pas fait pour moi. Et j'ai même pas, honnêtement, j'aime pas la volonté. Enfin, j'ai envie, j'aimerais, mais la volonté jusqu'à le faire, non. Honnêtement, non. Donc, j'ai pris ça juste pour m'aider. C'est marqué minceur, 3 en 1. Donc, graisse, sucre, calories. À voir, si c'est bien, je retournerai prendre.
2,99€ le prix. C'est marqué 42 gélules, 2 par jour. Mais malheureusement, il n'y en avait qu'un seul. Moi, tout ce qui est pour tester tout ça, niveau comprimé, j'aime tester pour 3 mois. Et là, par contre, il y avait que celui-là qui restait. J'ai dit, je vais le prendre quand même pour tester. Et si ça fonctionne bien, j'irai voir dans d'autres doses. Voilà, ça fonctionne très bien. Pourquoi pas? Il faut tester de toute façon. Si on teste pas, on ne peut pas le savoir. Donc voilà pour Noz. Voilà pour ce haul, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous avez fait des bonnes affaires vous pendant les soldes. Alors, je suis super contente de ce que j'ai trouvé. Je vais retourner, je pense, si je ne suis pas partie. Parce que je pense qu'on va partir dans quelques jours. On ne sait pas exactement quand, mais on sera parti pour le deuxième démarque. On sera revenu ou pas. Donc voilà, ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de la partager, de la liker et bien sûr de vous abonner sur ma chaîne. Si vous n'avez pas encore vu mes vidéos précédentes, allez-y la regarder. Mais bien, allez-y, likez. Mettez des petits commentaires, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Mettez des petits commentaires. Dites-moi ce que vous avez aimé dans ce haul. Cherchez-vous pendant les soldes aussi. Quel magasin que vous avez vu qui a le plus de réductions ou des choses intéressantes. Comme ça, j'irai voir aussi. Je fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.